Bah, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de me laver les mains ce matin. Donc. Vous savez, quand je fais une démonstration... Ça va plus vite. Ben oui, c'est tout simplement ça. Hein. Et puis je sens où je mets mon nom ou pas. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez prendre un pinceau, une éponge, simplement, mettez-moi un nom, c'est plus de va-et-vient. C'est tout, hein. C'est pas grave, hein. Pas de panique. Non, c'est pas une cata. Je m'amuse. Le noca, c'est pas mon jouet. Je mettais un fond. La peinture, quand je commence une aquarelle, j'enlève tout ce qui est devant. Ce matin, on l'a bien vu, je caresse mon papier. Mais comme ça glisse, regardez, la couleur, elle va descendre toute seule. Hein, vous voyez, ça... Déjà, je commence par le fond, c'est là. Très liquide. Hein. Et je vais... Non, je vide mon pinceau, j'aspire. J'aspire. Ça descend encore, c'est pas parce que j'ai aspiré une fois que ça va pas descendre. Alors attention de ne pas avoir une forme d'éventail. Je reviendrai après. Je vais sculpter là-dedans après. Par contre, je ne recouvre pas tout. Mes grains vont venir après, pas de panique. Donc, ça veut dire que la gestuelle, c'est important. Mais je vous rassure que là, il y a... Je fais des estompes. J'adoucis. Mais je ne vais pas dans le trait liquide, sinon je vais tirer de l'eau. D'accord? Donc là, j'ai mis moins de couleurs, moins de pigments, donc je vais, j'y vais pas tout de suite là. Je vais la mettre aussi ailleurs. Hein. Plus beaucoup, je le mets un peu, ce qui va me permettre de d'équilibrer. Vous allez voir qu'ici, il me manque des blancs. Là, j'ai commencé à faire mon fond. Je coupe le sifflet. Et quand je suis habituée et que je ne veux pas que ça bouge trop, je peux même faire ça. Ah, mon pinceau est mouillé. Je ne le fais pas. Donc, je ne fais que dans ce sens-là. Et s'il est... Je commence à faire des plans successifs. Ah, là, ça commence à sécher. Thème, quel qu'il soit, j'étudie. Par exemple, si je fais un travail quand j'ai peint sur tout ce qui était le feu, les pompiers, etc., je suis allée sur place, je suis allée voir, j'ai étudié le feu. J'ai toute une histoire. La vigne, je suis allée dans les chais, j'ai discuté avec des vignerons. Mais c'est ça qui est riche et intéressant, c'est que moi j'apprends plein de choses. Encore là, voilà, ça va commencer à être... Voilà, je fais le tour. Donc je vais vous montrer, c'est ma photo étape. Je regarde... J'enlève. Un petit peu ici. Je vais mettre de la lumière ici. Moi, je vais mettre de la lumière ici. J'enlève. J'estompe. Celui-là est encore mouillé. Oula. C'est limite sec, mon papier. Les couleurs voulues, ça. Oui, pas voulu, je sais pas. Pas de panique. Une goutte là-dedans. Je joue vraiment avec de l'eau, hein. C'est pour ça que je vous le montre. Je joue, mais c'est... Et puis ça va circuler. C'est magique, hein. Et puis là-dedans, je peux mettre une autre couleur. Si je bouge, ça va encore circuler. Donc là, il n'y a rien qui me gêne. Et je vais circuler. Hop, ça circule. Partout, il y a les cordons d'eau. D'accord ?
Mais ça, on peut faire des branches. On peut... Les enfants, quand vous découvrez... Moi, la paille, je les fais dessiner à la paille. J'adore ça. Hein. Mm-hmm. Et c'est clair que c'est plus difficile. Mais déjà, ça donne... Un enfant, vous lui dites... Voilà, il faut du temps, hein, quand même. Hein, donc... Voilà. Et quand j'aurai fait ça, ça vous louche un peu. Mais quand j'aurai fait ça, j'enlève et j'arrive. Parce que c'est bien de l'eau, alors que le. Non, mais le cheval, c'est pas. Ouais, c'est point. Mais le point, c'est moins l'eau. C'est ça. Déjà, les du propre. Texte, ça va encore mieux. Le cache-misère.